Bonjour les enfants, nous commençons cette journée d'école à la maison par les rituels et bien sûr par la date. Je vous laisse observer la date écrite ici en lettres capitales, ensuite vous la cherchez en lettres cursives et on vérifie ensemble après. Bien sûr, il faut faire pause sur la vidéo. Et voilà, j'ai trouvé la date du jour écrite en lettres cursives. On va pouvoir la lire. Aujourd'hui, nous sommes jeudi. On voit la lettre J en capitale ici et la lettre J cursive ici. Aujourd'hui, nous sommes jeudi 20. J'ai trouvé le 20 ici. Aujourd'hui, nous sommes jeudi 20. Mais on est toujours au mois de mai qui s'écrit avec les lettres M-A-I. Et ici, j'ai trouvé le mois de mai écrit avec les lettres M-A-I cursive. Janvier, février, mars, avril, mai. On peut dire aujourd'hui, nous sommes jeudi 20 mai. Maintenant, à toi de chercher la date d'hier, le jour d'avant. Fais pause sur la vidéo. Alors la date d'hier, avant le jeudi, on voit ici que c'est le mercredi qui commence avec la lettre M. Et avant le 20, c'était le 19. On peut donc dire, hier, nous étions mercredi 19. Mais, et maintenant, on recherche la date de demain, le jour d'après. Alors, comme moi, tu as dû trouver le jour d'après ici, après le jeudi, c'est le vendredi. Et après le 20, c'est le 21. On peut donc dire que demain, nous serons vendredi 21, mais le mois de mai n'est pas encore terminé. Sur ton document, tu vas pouvoir entourer la date d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes jeudi. Il est là. Jeudi 19. Tu es sûr? On vérifie? Mais non, le 19, c'était hier. Aujourd'hui, nous sommes jeudi 20. Et mai, on va le trouver janvier, février, mars, avril, mai. J'entoure le mois de mai. Sur la poutre du temps, on a ici le petit symbole du jour d'hier. Il est terminé. On va pouvoir mettre ensuite le petit repère pour indiquer le jour d'aujourd'hui. C'est bien le 20. Et on voit que demain, c'est bien le vendredi. C'est le début du week-end. Et sur le calendrier du mois de mai, on va pouvoir colorier ou mettre une gommette sur le jour d'hier qui est fini, le 19. Et on va pouvoir entourer aujourd'hui le 20. Et quand on monte, on voit bien qu'aujourd'hui, nous sommes le jeudi 20 mai. On y va pour l'écriture de la date du jour. D'abord le mot jeudi. Avec le J, c'est une lettre à pointe qui va descendre. Je monte, je descends et là je fais la boucle. Et je remonte entre les deux lignes. Je n'oublie pas le petit point. Voilà pour le J. Maintenant la petite boucle du E, la boucle qui monte entre les petites lignes et j'accroche tout de suite le U, le pont à l'envers. Je monte, je descends. Ensuite, on a la lettre D, une lettre qui tourne. Je commence ici, je tourne, je monte, je descends, je continue, je remonte pour faire la moyenne canne à l'envers. Et ensuite, j'accroche le petit I. Je monte, je descends. Je viens faire le pont et j'ai écrit le mot jeudi. Maintenant le 20 qui s'écrit avec un 2 et un 0.
Ici, mon 2, je tourne dans ce sens-là. Je descends en faisant une ligne oblique et un petit trait horizontal. Et le 0, je tourne dans ce sens-là, dans le même sens que les lettres comme la lettre A. Et je remonte. J'ai écrit 20. Il me reste le mot mai. MAI. On y va pour les trois petits ponts du M. 1, 2, 3, la petite canne. Ensuite, la lettre A. Je tourne, je descends, je tourne, je viens faire la canne à l'envers. Et ensuite, j'accroche le I, je monte, je descends et je viens faire le petit point. Et voilà, j'ai écrit la date jeudi 20 mai. Maintenant, c'est à toi de le faire sur ton ardoise ou sur une feuille. Aujourd'hui, on va encore réciter la comptine numérique à l'envers pour décoller la fusée. On commence à 19 et on va aller jusqu'à 0. Tu peux compter en même temps que moi ou tu peux enlever le son de la vidéo et compter en suivant la petite main. On y va? 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. La fusée décolle. Et maintenant, voici des lettres capitales. On dit leur nom? E, A, C, B, D. Le travail, c'est de les écrire en lettres cursives, en écriture cursive, sur ton ardoise. Je te laisse prendre le temps de les écrire en écriture cursive. Et on vérifie ensemble. Tu peux faire pause sur la vidéo, bien sûr. On y va, la lettre E. C'est la petite boucle qui monte et qui descend. Et voilà le E en lettre cursive. Ensuite, le A. Lettre qui tourne. Je monte, je tourne, je redescends, je tourne. Et je viens faire la canne à l'envers. La lettre C, c'est aussi une petite lettre qui tourne. Comme la lettre A, je commence ici, je tourne et voilà, je m'arrête. Je ne ferme pas. Ensuite, le B. Attention, c'est une lettre à grande boucle. La boucle qui monte. Je commence en bas. Je monte pour faire ma boucle, je descends. Et là, je vais faire comme une canne à l'envers et une petite boucle. Et on termine avec la lettre D. Comme la lettre A et C, c'est une lettre qui tourne, mais qui a une moyenne canne. Donc je commence comme la lettre A. Je monte, je tourne. Et là, quand je vais faire ma canne, je monte un peu plus haut et je redescends. Et voilà pour l'écriture des lettres E, A, C, B, D. En écriture cursive. Et comme chaque jour, entraîne-toi à écrire ton prénom en lettres cursives sur ton ardoise ou sur une feuille. Et je te souhaite à toi et à ta famille une belle journée.